Oh non. C'est pire que ce que je pensais. Bordel! L'ambassadeur est là! Doucement! S'il vous plaît, restez calme. Qui a causé tout ça? Aidez-moi, s'il vous plaît. Harper, Burger Pants! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais Tonton et ma fête, une copie de chacun d'entre eux. Où sont-ils? Ils les ont enlevés. Tu n'es qu'une sombre idiote, numéro 4. Bon, je vais te laisser faire une petite pause. Tu en as assez fait, après tout. Je suis trop indulgent avec vous. Mais je dois vous récompenser pour votre obéissance. Maintenant partez. Numéro 7 vous attend. Me faites, dépêche-toi. Mes excuses, général. J'arrive. C'est l'heure, mes bébés. Heureusement, j'ai réussi à me libérer après leur départ. Ensuite, j'ai aidé mon partenaire. La panique nous a à peine permis de nous enfuir. On pourrait s'échapper, mais les autres... Qu'est-ce qui leur arrive? Je ne sais pas, ce n'est pas normal. Nous devons sauver les autres victimes. Ces mercs s'étendent sur tout le périmètre. Nous devons absolument évacuer les lieux. Vous avez besoin d'un médecin. Tenez bon, les amis. Je t'ai donné assez de temps, joueur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais dire à tout le monde ce qui se passe. Tu ne leur fais pas confiance? Tu détestes leur façon d'être? Ça te dit de changer tout cela, tous les deux? Non! Frisk, tu as un problème? Non, excuse-moi. Bienvenue dans l'Omega Timeline Cross. La journée a été très chargée pour tout le monde, mais je suis heureux de vous revoir. Je me souviens de t'avoir dit que je pouvais gérer tout seul. Et j'ai respecté ta décision. Inévitablement, tu as fini ici. C'est un endroit sûr. Tu as besoin de te calmer. Ne me touche pas. Je n'ai jamais demandé de l'aide. Hé, Dream ne t'a rien fait de mal. La violence ne te mènera nulle part. Laissez-moi tranquille. Tu as besoin de récupérer Dream. On va t'aider avec ses vêtements. Rien ne va. J'ai échoué. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, bon sang ? Je sais qu'il est difficile de te persuader, mais je vais te laisser choisir de me rejoindre.
Difficile de me persuader. J'en suis là car j'ai suivi les ordres de tout le monde comme un chien. Je ne veux plus faire partie de tout ça. Les moments difficiles ne peuvent être affrontés que par des personnes fortes. J'ai trop souffert pour y croire encore, madame. Regarde autour de toi. La plupart des personnes ont soudainement perdu leur maison à cause de ce qui vient de se passer. Heureusement, cet étrange humain et le squelette en jaune nous ont gentiment amenés ici. Si nous avons survécu, nous pouvons encore faire un effort. Ils vous ont dit quelque chose sur moi pour que je change d'avis, n'est-ce pas ? Ils nous ont juste raconté les événements récents. Après tout, nous n'avons jamais pris le temps d'apprendre à nous connaître. Ren Toriel, vous allez bien ? Le restaurant là-bas a des tartes aux escargots fraîches et le roi a commandé une pour vous et attendez. Oh mec, c'est toi ? Ça fait un bail, bro. Je t'ai à peine reconnu avec ta tenue bizarre. Recule. On dirait qu'il ne se souvient d'aucun d'entre nous, docteur. Donc il a vraiment effacé la mémoire de ces personnes, hein. Mais de quoi tu parles, bon sang ? Disons simplement que ce n'est pas la première fois que les actions de X-Gaster ont mené à des problèmes. Il y avait un fragment de tes souvenirs auquel personne d'autre que lui ne pouvait accéder. Il les a effacés pour toujours parce que son obsession pour la perfection l'a poussé à le faire. Tu vas me dire qu'il a déjà fait ça par le passé ? Au début, ce vieux bonhomme allait et venait partout en toute tranquillité. Mais ensuite, il est allé trop loin. Il vous a utilisé sous prétexte de mission secrète. Son pouvoir corrompu a commencé à lui montrer des fragments du futur. Et c'est devenu une dangereuse addiction. Depuis, il ne se soucie pas de blesser les autres tant que cela n'affecte pas la voie qu'il a choisie. Vous êtes peut-être ses créations, mais vous ne méritez plus de souffrir pour ses ambitions. C'est une honte que cet homme n'ait rien appris. Oh mec, je me rappelle de ce jour. C'était assez compliqué. Je ne peux pas m'empêcher d'être désolée pour lui. Quel est l'intérêt de tout cela ? Il est clair que rien ne va changer. Il serait plus facile de nous anéantir comme la peste. Écoute-moi, jeune homme. On ne peut peut-être pas tout sauver en se combattant ou en encourageant les gens. Cependant, il est absurde de nier toute son existence pour réparer les erreurs des autres. Malheureusement, on ne sait pas tout ce que tu as vécu. Mais je pense que tu es un dur à cuire. Tu nous l'as prouvé une fois et c'est formidable. Je suppose que tu as besoin de souffler, alors à plus. Allons-y, Fox. J'ai dit que son nom c'est Toby. Non, Fox. Toby. Fox. Toby. Fox. Calmez-vous. Si t'as permis à Nightmare de t'aider dans le passé, il serait juste de donner à Dream la même chance. Non. Tu as juste besoin de te souvenir de ce qui t'a vraiment fait venir jusqu'ici. Regarde, c'est le dessin que tu as fait à l'époque. Je l'ai trouvé après ta dispute avec Ink. J'étais naïf. Tout cela n'a plus aucune importance désormais. J'abandonne. C'est tout ce que t'as à dire. Laisse-moi tranquille. J'ai parlé avec tous les gardiens.
Tout le monde est conscient de la situation. Bon travail, Poppy. Cross dort en ce moment. Nous devons l'emmener dans le néant avant qu'il ne se réveille. Oh, d'accord. Mais pourquoi ça? Car les choses sont sur le point de devenir sombres. Comment tu te sens? Fatigué, je suppose. Ça te dérange si je reste avec toi jusqu'à ce que tu ailles mieux? Fais ce que tu veux. Je regrette de ne pas avoir pu t'aider avant, mais ce n'était pas le bon moment. Dans ces conditions, les choses auraient mal tourné de toute façon. Comme c'est arrivé avec Link. Nous étions bons amis, mais nos différences d'idéaux nous ont obligés à nous séparer. Malgré ça, lorsque les univers alternatifs ont commencé à se détruire, je l'ai empêché de perdre la tête. Je savais qu'il essayait de m'éloigner de ton créateur. Leur joie de créer n'était pas du tout un sentiment positif. Tes pensées ont été consumées par le chagrin beaucoup trop longtemps. Mais ton âme essaie d'échapper aux ténèbres. Si nous ne faisons pas quelque chose maintenant, ton dernier sentiment... Ça suffit! À chaque fois que quelqu'un me disait que j'allais retrouver ma liberté, je finissais toujours par être utilisé pour les profits de la personne. Je crois en tout le monde comme un idiot. Je ne referai pas la même erreur à nouveau. Tu ne peux nier ce que tu es vraiment. Tu es fait de frustration. Si tu es blessé, tu dois blesser les autres aussi. Le désastre surpasse tout. C'est l'occasion de m'assurer que ce soi-disant monde parfait correspond à mes besoins. Vois comment la masse d'énergie négative de ces créations peut modifier la réalité qui les entoure. C'est leur but. Ils veulent que je reste ici. Tu as causé assez d'ennuis, Nightmare. Vraiment? Pourtant, la partie la plus amusante vient juste de commencer. Tu m'avais manqué. Tu veux jouer au dur, hein? Ross! Je m'en moque si tu ne me fais pas confiance. Je ne vais pas te laisser ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà fatigué? Mon Dieu, zut alors. Tu as l'air de souffrir terriblement. Peut-être qu'il est temps pour toi d'abandonner. Personne n'a besoin de toi de toute façon. Je perds patience. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? C'est de la triche! Salaud! Ne dis pas, t'es malade sur moi! Mais c'est... Dégage, je vais t'arrêter! Thank you.
Tout le monde connaît ta plus grande peur, vieil homme. Ce bouton que tu as sorti de ton cul ne te donnera pas ce que tu veux. Mon Dieu, ce brouillard est épais et effrayant. Je comprends mieux pourquoi tu voulais Cross s'éloigne de la ville. Ça aurait été problématique. Cross s'est inconsciemment enfermé dans une sorte de barrière qui altère la réalité. Il ne fait aucun doute que X-Gaster a transformé ses créations en créatures instables. Mourir n'est pas une règle sur le champ de bataille. Juste la souffrance continue, qui rend Nightmare plus fort. Dream tente de sauver Cross, cependant, l'énergie de cet endroit le prive de presque toute sa force. On peut y remédier ? Oui, il y a un moyen d'inverser le cours des choses. Aïe. Ça fait un mal de chien. Je ne comprends pas. Vous m'avez laissé faire mon propre choix. Mais vous êtes toujours en train de me manipuler. Regardez ce que vous m'avez fait. Tout le monde sait à quoi s'attendre. Et pourtant, je suis le seul qui n'arrive pas à le savoir. Je vous emmerde. Je vous emmerde tous. Je suis mauvais pour ce que j'ai fait. Je suis mauvais pour ce que je suis. Tout le monde mérite une seconde chance. À quoi bon nous sentir utiles et valables dans une réalité où nous sommes des millions ? Aucune vie ne mérite d'être gâchée. Notre identité ne nous rend ni plus ni moins importants. Essayer de mettre fin à quelque chose qui te tue intérieurement ne te rend pas mauvais ou égoïste. Arrête d'être dur envers toi-même. Il y a une lueur d'espoir dans tes décisions. Je les ai tous tués. Je n'étais même pas le plus fort. Je les ai trahis, humiliés, pour une chose auquel je croyais qui était au final fausse. Qui va comprendre mon chagrin quand même mon existence semble erronée. Je comprends. C'est pour ça que je veux t'aider. Cross, ce que tu as vécu ne peut pas prendre le contrôle de ta vie. Tu étais fort et tu y croyais. Personne ne peut t'enlever ta volonté en tant que garde royale. Rien n'était important pour moi depuis longtemps. Mais cette lumière m'a ramené. À quand remonte la dernière fois que nous avions ressenti ça, les gars ? Oui, notre origine est une imitation, toute faite d'une autre. Mais notre fierté, notre expérience, peut-être qu'elle nous rendra un peu plus authentiques. Dream, c'est ça ? Tu ferais mieux de faire en sorte que ça fonctionne, gamin. Tu peux compter sur moi malgré le fait que j'ai 500 ans de plus que toi. Je suis prêt. On y va. Regarde-moi ça, patron. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de toi plus tard, vieux déchet.
Je peux encore sentir la peur et tes inquiétudes au fond de ton âme. Et tu es toujours piégé ici. Cette honteuse fierté ne durera pas longtemps. Tu vas me supplier d'avoir pitié de toi. Cross! Mince. Tu n'es pas prêt à affronter ton avenir. Ils ne te pardonneront jamais, Cross. Pourquoi tu m'as tué, frérot? Reprends-toi, Cross. J'assure tes arrières. Continue à te battre. Sortons d'ici. Pathétique. Vous n'irez nulle part. Tes efforts sont inutiles, et ta lutte ne te mènera nulle part. Que tu gagnes ou que tu perds, tu es à moi. Cross essaie de gagner du temps pour la dernière attaque. C'est ta dernière chance, Dream. Vise Nightmare avec ton arc, les secours arrivent. Vous pouvez le faire, accrochez-vous! On est tous avec vous, n'abandonnez pas! En avant! Inutile, vos prières sont sans espoir! Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Notre pacte n'est pas rompu. Tu ne peux pas te débarrasser de moi, Cross. Quand tu souffres, quand tu feras du mal à quelqu'un, je serai là, comme ton ombre. Je m'assurerai que tes peurs les plus profondes et tes insécurités te hantent pour toujours. Et quand le jour de ta mort arrivera, je me prendrai à tous ceux que tu as tenus. Hé, toi! Bonne chance pour supporter les discours de ton trou du cul de patron. Oh, en parlant du diable, Monsieur l'homme mystérieux. Vous êtes là, bonjour. Je pensais que vous voudriez nous parler après ce que vous avez vu. On vous a même mis sous un de ces arbres que vous aimiez tant. Fais attention dans la manière dont tu t'adresses à moi. La seule raison de me présenter ici est que je trouve le comportement de cette chose assez intrigante.
Comment pouvez-vous traiter vos créations comme de simples objets? Leurs sentiments ne sont pas seulement réels. Ils sont le reflet d'eux-mêmes. Il y a une raison pour laquelle vous êtes intervenu pendant ce combat. S'il vous plaît, dites-le-moi. J'aimerais pouvoir faire plus pour toi, mais il me faudra du temps pour retrouver... Les émotions me divertissent, c'est tout. Différentes versions de moi existent, et vous avez déjà un jugement sur eux. Vous ne voulez pas accepter que je sois le vrai. Troublant, non? Pas autant de s'enfermer loin du monde réel. Un jour, vous apprendrez à faire confiance aux autres. Les ordures vont à la décharge. Et je garde ce qui en vaut vraiment la peine. Parmi tous les scénarios possibles, voulez-vous continuer dans celui-là? Nous savons tous les deux ce qui va se passer. Pourquoi insistes-tu? Je veux rester en contact avec vous, au cas où vous voudriez parler à quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ta sympathie. Oh, pourquoi êtes-vous si têtu? Parce que nous l'avons tous été à un moment ou à un autre. Merci de m'avoir soigné, les gars. Ce vieil homme n'a même pas pris la peine de le faire. J'aimerais pouvoir faire plus pour toi, mais il me faudra du temps pour retrouver mes forces. C'est bon, pour le moment. C'est les réfugiés qui ont le plus besoin de toi. Tu es sûr que tu vas porter ça? Ce que tu portes n'a pas l'air trop mal. Mais au moins, utilise des vêtements propres, mec. Non. C'est juste que ce look cool ne durera pas trop longtemps de toute façon. Bref, c'est quoi toutes ces portes? Ils donnent l'accès entre les différents univers alternatifs et à cet endroit aussi, mais ils sont bloqués à cause d'erreurs. Vous avez choisi d'aller avec Igaster, non? Je te comprends. Tu ne veux pas qu'il t'utilise si tu restes dans le coin. Plus que ça. J'ai besoin de revoir mon peuple. Dans ce cas, il y a une dernière chose à faire avant d'aller dans l'univers originel. Tu dois emmener Ink avec toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Vous serez escortés dans le vide. Quoi ? Le vide ? Mais Ink n'est pas avec X-Ga. Vas-y, soupe d'os, on y va. Tu te moques de moi. Tu comprendras dès que tu y seras. Maintenant, allez-y, on n'a pas le temps. A plus, Cross. On espère te revoir bientôt. On a plein de trucs à se dire. Tu vas accomplir de grandes choses. T'as pas intérêt à nous oublier, hein? Bonne chance, soldat. Prêt pour y aller? Hé, hey, vieux Snock, mes émotions te dérangent? Tu caches quelque chose. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu te taises.
Secret missions? I wonder what kind of things he forced us to do in the multiverse before the X event.